maintenant 18 ans que je fais du tir. Et depuis 2006, je dirais à haut niveau, parce que je suis rentré au Pôle France de Strasbourg en 2006. Donc. Vice-champion d'Europe tout récemment à 300 mètres à Tolmezzo, donc au tir couché. Champion du monde par équipe l'année dernière en tir couché 300 mètres aussi. Vainqueur de la finale des Coupes d'Europe l'année dernière au tir couché à 300 mètres. C'est un très beau stand, modulaire. On peut faire toutes les disciplines. Bon, voilà. On a vu les championnats de France Bench Rest cet été, les France 300 mètres à la rentrée. Bon, c'est un stand qui offre beaucoup de possibilités et qui permet de tirer jusqu'à 600 mètres. Donc tous les stands ne vont pas aussi loin, ça c'est sûr. Ce qui me plaît dans le tir, c'est je dirais la recherche de la perfection. Hein, puisqu'on est dans des épreuves où on peut atteindre la perfection avec 600 sur 600. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette recherche intérieure, voilà, des sensations fines, comme aussi de l'optimisation du matériel, où on peut vraiment aller chercher pour, je dirais, optimiser encore davantage ce qu'on peut faire en termes de précision. Tir à 300 mètres, je dirais que c'est surtout l'entraînement du tireur, ça c'est clair. Maintenant, il faut quand même aussi prendre soin de son matériel et notamment tout ce qui concerne quand même le nettoyage. Ça c'est quelque chose à 300 mètres qui est important. À 50 mètres, l'optimisation du matériel est plus importante parce qu'on a des munitions qui sont par nature irrégulières et il faut qu'on puisse arriver à jouer avec les vibrations du canon pour essayer de compenser justement ces irrégularités et ça demande tout un travail de réglage. Ça. On a surtout, je dirais, des démarches empiriques pour pouvoir trouver ce qui convient le mieux. C'est surtout par essai-erreur, en fait. Hein. Donc on essaye, on teste, on voit si ça marche mieux. Et puis si on se sent bien avec, on continue là-dessus. Quoi. Voilà. À l'avenir, on aura peut-être bientôt des systèmes qui nous permettront d'avancer beaucoup plus vite et de savoir, en mesurant concrètement, ce qui va le mieux, quoi, et ce qui est le mieux en termes de réglage. Je mène une recherche pour la fédération sur un système d'analyse de match pour le tir couché. Et effectivement, c'est une démarche qui m'a permis de me poser tout un tas de questions à ce niveau-là et de se rendre compte un petit peu de tout ce qui jouait, tous les facteurs déterminants au niveau, entre autres, du matériel pour performer. La recherche se fait dans le cadre d'une thèse de doctorat en STAPS. Donc c'est effectivement dans le cadre d'une recherche universitaire. Je pense que je dois une bonne partie de mes réussites à cette démarche et à cette expérience. Gagner des Coupes d'Europe et gagner aussi, surtout, la finale des Coupes d'Europe. Je l'ai gagné l'année dernière, je compte bien continuer cette année et l'année suivante. Voilà.